Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déco murale DIY. Pour commencer, ma sœur m'a demandé de lui fabriquer un cadre pêle-mêle pour mettre les photos de ses chiens. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer le processus si ça peut aider quelqu'un à faire son propre cadre sur mesure. Ensuite, j'avais très envie d'essayer la tendance de peindre sur un cadre en verre. Et pour ça, j'ai choisi un paysage qui me fait penser aux vacances. C'est parti. Presque. D'abord, j'ai un petit mot à vous dire quant au futur de ma chaîne YouTube. Certaines d'entre vous ont remarqué dans les dernières secondes de ma précédente vidéo que je suis enceinte. On attend une petite fille pour fin avril, ça va arriver très vite. Et je vais sortir les prochaines vidéos au compte-gouttes, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus. Allez, c'est parti, pour de bon. Je vais réaliser ce DIY avec 11 cadres de récup qu'on lui a donnés. Je commence par chercher un agencement harmonieux en essayant plusieurs combinaisons avec un nombre donné de photos en paysage et en portrait. Une fois que ça me plaît, je place quelques cadres sur le dessus pour créer des volumes. Et voilà ce que ça donnera avec les photos de ses toutous, Tsarina et Hannibal. Je démonte ensuite tous les cadres afin de procéder au ponçage. Inutile de poncer jusqu'au bois, je cherche juste à casser le brillant de la peinture pour une bonne accroche. J'ai également dû remplacer deux des cadres en plastique par des cadres de chez Action. Je commence par assembler deux premiers cadres et je procède en miroir sur l'arrière. Je me suis dit que le meilleur moyen de faire un assemblage solide qui supporte le poids des verres était de poser des petites équerres entre les cadres. J'ai fait avec ce que j'avais en découpant des tronçons de champlat. J'ai également appliqué de la colle à bois entre les cadres avant de visser. Puis j'ajoute un cadre à la fois en répétant les opérations.
Ce morceau s'est fendu, mais il tenait quand même. Celui-ci légèrement plus épais, du coup j'ajoute une cale pour qu'il soit au même niveau quand je vais visser à l'arrière. Et à partir de là, mon champ plat s'est systématiquement fendu. Alors j'ai changé pour du contreplaqué plus solide. On passe maintenant au cadre en hauteur. Je prends des repères pour savoir où fixer la partie restante. Puis j'assemble les deux niveaux à l'aide de vis plus longues. Attention à bien prépercer au préalable. J'en ai profité pour installer mon système de fixation au mur. En fouillant bien, j'ai trouvé deux de ces petites pièces en métal qui iront parfaitement en y passant une cordelette. Je fais ensuite un mélange de peinture verte, blanche et de bicarbonate pour obtenir une couleur aimante qui accroche bien et donne de la texture. J'ai passé deux couches en laissant sécher entre les deux pour une couvrance parfaite. Il ne me reste plus qu'à nouer mon fil d'attache. Enfin, je donne un souffle printanier au résultat en utilisant ce joli bloc de papier trouvé chez Action. Pour tester la peinture sur verre, j'avais envie de représenter un paysage qui fait voyager et j'ai choisi Positano en Italie.
Alors vous pouvez trouver des images à reproduire sur Pinterest, mais pour ne pas recopier le travail des artistes, je m'en suis inspirée pour créer mon propre dessin. Je vais utiliser ce cadre que j'ai dû chiner pour 1 euro. Ça tombe très bien qu'il n'ait pas de fond. Je nettoie et dégraisse le verre à l'aide d'alcool à brûler. Il vous faudra travailler en miroir. J'ai donc retracé mon dessin par transparence à l'arrière. J'avais acheté ce marqueur qui s'est révélé très décevant. Le résultat n'était pas du tout opaque et la mine trop grosse. Même en repassant, c'était pas génial. Du coup, j'ai tout effacé à l'alcool à brûler. Et j'ai acheté des feutres peinture Posca avec une mine plus fine. C'est vraiment ce qu'il fallait et j'ai continué avec le noir. Et c'est reparti pour un tour. Je réunis ensuite toutes mes peintures acryliques et mes pinceaux. J'ai commencé par remplir les parties unies. Si jamais vous dépassez, vous pouvez gratter la peinture sèche avec une petite lame de cutter. Certaines zones auront besoin de plusieurs couches pour devenir bien opaques. Et en fait, j'ai utilisé les couleurs créées au fur et à mesure pour remplir ma ville. Contrairement à une peinture normale où on commence par le fond pour finir par les détails, ici il faut penser à l'envers. Je commence par les détails. Puis j'ajoute des dégradés. Et je finis par le fond. J'ai préparé différentes couleurs pour peindre des hortensias. J'étale des petites fleurs sur toute la surface. En attendant que ça sèche, je mélange légèrement de la peinture cuivre à du beige pour peindre la plage. Et n'hésitez pas à en mettre une bonne dose. Je continue les hortensias avec du bleu lavande.
puis je comble tous les petits trous en recouvrant entièrement de rose. Attention, le noir s'est effacé par endroits à force de tapoter, mais le pire reste à venir. Ma minette a sauté sur le bureau pile dans la peinture. J'ai recouvert de rose, mais c'était vraiment moche, du coup j'ai rajouté des zones effacées un peu partout. J'ai adoré faire la mer avec un dégradé de différents bleus. La montagne et la ville sont les parties que je préfère le moins au final, certainement parce que les couleurs sont trop plates. Et j'ai laissé le ciel vide pour ajouter un peu de transparence. J'hésitais à repeindre le cadre, mais je trouvais qu'il avait un petit air italien. J'ai simplement déplacé le crochet de l'autre côté. Et voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vos commentaires sont toujours très agréables. Et laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Alors comme je disais au début, il va y avoir des bouleversements sur ma chaîne. En vérité, ça a commencé cet été puisque j'ai été beaucoup moins assidue dans le rythme et la qualité de mes vidéos. J'ai eu une grosse baisse de motivation et mon cerveau a été plutôt occupé à penser bébé que DIY. Pareil, mon deuxième trimestre a été particulièrement compliqué pour moi. Mais depuis le retour des beaux jours, à peu près, j'ai un regard d'énergie et je vois aussi la fin arriver à grands pas alors qu'il me reste une tonne de choses à faire avant l'arrivée de la petite. C'était donc la dernière vidéo planifiée pour l'instant. En fait, je sais déjà quelles seront les prochaines puisque je filme au fur et à mesure, mais je sais pas du tout quand elles sortiront, certainement d'ici quelques mois quand j'aurai trouvé mon rythme. En tout cas, je veux pas mettre la pression en fin de grossesse. Du coup, pour vous faire patienter, je vais vous dire ce que j'ai prévu. Donc je pense que la première vidéo sera une vidéo couture bébé. J'ai des tonnes de projets en tête, la liste s'allonge de jour en jour. Mais pour l'instant, j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire des capes de bain. Des lingettes lavables. 2-3 à l'aise et 2 ou 3 draous pour matelas ovale. Un attache-sucette si on en vient à utiliser une sucette. Et un tapis allongé nomade. Et un petit coussin déco dans ce tissu. S'il me reste des chutes de tout ça, j'aimerais aussi faire des bavoirs dans ce style. Et j'avais également trouvé un rideau épais un peu beau et du tissu mouton en friperie. Et avec ça, je voudrais vraiment essayer de faire un tapis de sol matelassé. Et c'est déjà pas mal. Concernant les vêtements, je pense que j'attendrai qu'elles grandissent un peu moins vite pour me lancer. Mais j'ai repéré des tonnes de petites pièces trop mignonnes sur Pinterest. Après ça, il y aura la rénovation de notre chambre, enfin, mais on n'a pas eu le choix que de finir rapidement puisqu'on va y dormir tous les trois au début. Donc elle sera divisée en 2 parties, les travaux et l'aménagement pour nous, puis l'installation du coin bébé et la déco avec quelques DIY. Au moment où je vous parle, il reste seulement quelques finitions à faire ici ou là.
Mais j'ai encore des meubles à retaper, une armoire à trouver et rénover, de la déco à fabriquer, toute ma penderie à trier. Je sais plus où donner de la tête. Pour finir, il y aura une vidéo organisation avant l'arrivée du bébé où je vais préparer tous ses vêtements, nettoyer tout le matériel de puériculture, modifier l'installation de la salle de bain et j'en passe. Ça aura moins de sens qu'elle sorte plusieurs mois après la naissance, mais j'adore regarder ce type de vidéo en ce moment et si ça peut motiver certaines futures mamans, pourquoi pas. Voilà, c'est qu'une partie de ma longue liste de choses à faire durant les 7 prochaines semaines et à ça viennent s'ajouter plein de rendez-vous médicaux. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de faire une pause dans la publication de vidéos et en particulier dans le montage qui me prend énormément de temps. Mais rassurez-vous, je continue de filmer. Il faudrait aussi que je pense un petit peu à me reposer à la fin. En attendant, j'espère pouvoir poster quelques photos sur les réseaux et pourquoi pas faire des shorts de mes créations sur YouTube. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Je vous fais plein de bisous, merci infiniment d'avoir été là jusqu'ici et à bientôt.